Yeah.
Alléluia. Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom de Jésus. Oh, assieds-toi en acclamant très très fort pour ton Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Il est digne que tu lui donnes tes louanges. Amen. Père, nous voulons encore te dire merci, car c'est par ta grâce que nous sommes là. Car c'est par ta grâce que nous voyons ces moments. Nous voulons t'élever, toi qui es tellement grand, qu'en ce même moment, Père, quelque part, le soleil s'est couché. Et ici, chez nous, le soleil s'est levé. Seigneur, tu es merveilleux, car en ce même moment, il y a toutes les heures sur cette terre. Que ton nom soit élevé, car tu es le seul qui peut contrôler toutes ces choses. Tu es le seul qui puisse maîtriser toutes ces choses. Tu es le seul qui puisse organiser cela. Ô Père, nous voulons te magnifier ce matin. Nous voulons te dire merci, car qui sommes-nous, Père éternel, pour être parmi ceux que tu as choisis? Qui sommes-nous, Père, pour être parmi ceux que tu as décidé de sauver? Qui sommes-nous, Père, pour être parmi ceux qui reçoivent la parole de vie, Dieu des gloires? Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Et merci, Papa, car c'est une grâce que tu reçoives nos louanges et nos adorations. Père, merci encore pour ces instants. Toi seul puisses nous parler. Règne en tout, Père éternel. Et merci pour tous ceux qui suivent et qui suivront ce message, où qu'ils soient, où qu'ils seront, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Le Seigneur Jésus est merveilleux. Amen. Amen. Il est tellement bon. Amen. Qu'il est celui qui décide de toutes choses. Il est celui qui décide des combats. Il est celui qui décide de l'issue des situations que tu es en train de traverser. Amen. Il est celui qui veut que, à la fin de ta vie sur terre, que tu sois celui qui fera le voyage pour être avec lui pour l'éternité. Amen. 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 Le plus important pour nous, c'est d'être avec lui pour l'éternité. Amen. Amen. En ce qui est ici ce matin, quel que soit ce par quoi tu vas passer, quelles que soient les élévations ou le moment de non-élévation que tu pourras traverser ou que tu as eu à traverser, toutes ces choses ont travaillé pour que tu vois la gloire de Dieu. Amen. Que tu reconnaisses qui est Dieu. Amen. Que tu acceptes son amour. Et que tu ne passes pas à côté de ce beau cadeau qu'il a pour toi, la vie éternelle. Amen. 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 C'est ça, la plus grande des choses. C'est la vie éternelle. Amen. Amen. Et pour cela, nous disons qu'il a toujours raison. Amen. Amen. Parce que les hommes peuvent décider, les hommes peuvent signer le décret, mais c'est lui qui change ce qu'on ne peut pas changer, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Notre Dieu est le seul qui puisse changer ce qu'on ne peut pas changer. On peut avoir signé des décrets. On dit que ça, c'est inchangeable. Mais lui, il le change. Et dans le livre de Daniel que nous sommes en train de lire, nous sommes au chapitre 6 aujourd'hui, nous voyons comment Dieu est en train de travailler. Et ici, dans ce livre, jusqu'ici, nous voyons, on nous raconte l'histoire de ceux qui lui appartiennent, qui vivaient hors de leur milieu. Mais en même temps, on nous parle de la manière dont Dieu a aussi, est en train d'agir
hors d'Israël, hors du milieu de son peuple. Ces livres, quelque part, nous montrent que Dieu, c'est le Dieu de tous. Amen. Ces livres nous montrent que Dieu a sa souveraineté partout. Amen. Ce n'est pas seulement sur le peuple d'Israël, mais Dieu peut agir sur tout le monde, dans la vie de tout le monde. Comme on avait dit une fois, quelle que soit la personne, que la personne soit athée, que la personne croit ou pas, si Dieu veut lui transmettre un message, il le lui transmettra. Amen. Dieu a ses moyens pour parler à ceux même qui ne croient pas qu'il est Dieu. Si Dieu veut leur adresser un message, il le leur adresse. Amen. Amen. C'est ça, c'est lui. Il est comme ça, il est grand. Alors, ici, bon, lisons quand même. Là où nous sommes arrivés, j'aimerais qu'on recommence encore au début du verset 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. On dit que Darius a régné, c'est celui qui régnait sur Babylone à la chute des Chaldéens. Donc, quand ils sont arrivés, les Mèdes et les Perses ont pris le pouvoir, ont fait tomber la dynastie de Nabucodonosor et son peuple. Et sur Babylone, c'est Darius qui était là. On avait dit qu'on n'allait pas trop entrer dans Darius, mais c'est lui qui régnait là-bas. Mais c'était le pouvoir. Which phone number for Jesse Cab? Home. Oh, chérie. C'était le pouvoir. Des Mèdes et des Perses. Amen. Amen. Ça, c'était leur pouvoir. Donc, Darius régnait, et quand il est arrivé, la Bible nous dit que. Je ne vais pas trop citer encore le nom de Darius. Il a nommé. Sur le royaume, 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, dans notre version on dit président, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte. Les 120 là rendaient compte aux trois chefs ou présidents. Et on dit que il rendait compte afin que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. On n'en avait pas à la fois passé. Et le roi pensait en établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Amen. On a dit que Daniel, on a tout cherché. Pas de corruption, pas de rétrocommission, pas de détournement, pas de toutes ces choses-là. Il n'y en avait pas. Amen. Amen. Et ces hommes dirent, nous trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Verset 6. Puisque ses chefs et ses satrapes, se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi.
roi Darius, vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret de la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes, entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. On s'arrête d'abord là. Amen. Amen. La fois passée, on s'est arrêté là où ces gens ont cherché. Ont cherché contre Daniel dans sa manière de gérer. Mais ils n'ont rien trouvé de mal. Amen. Amen. Je voulais encore rappeler ici qu'il est possible de bien faire. Il est possible de bien travailler. Il est possible de bien gérer. Amen. Amen. Et Daniel, ici, nous montre qu'il pouvait bien faire. Mais, lui, s'il pouvait bien faire, c'était tout simplement d'abord parce qu'il avait confiance en Dieu. Parce qu'il savait que tout ce qu'il devait faire devait plaire à Dieu. Donc, tout ce qu'il faisait en même temps, il savait aussi qu'il représentait Dieu. C'était un serviteur de Dieu. Donc, dans sa manière de faire, on ne devait pas trouver même quelque chose pour insulter son Dieu. Amen. Parce que, dans ce que tu fais, les gens aussi peuvent chercher à trouver des choses pour ne pas croire à ton Dieu, pour essayer de critiquer ton Dieu. On sait que ton Dieu est bien, mais on cherche en toi les mauvaises choses pour que l'on ne rende pas gloire à Dieu. Donc là où nous sommes, là où Dieu nous place, ce que nous faisons, nous devons comprendre que nous devons faire des choses pour que la gloire soit rendue à Dieu. Pas pour notre gloire d'abord. Ça, nous l'avons répété pendant tout ce temps dans ce livre, que tous ces serviteurs, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, ont fait les choses, pas pour leur gloire, mais pour la gloire de Dieu. Quand ils ont interprété des songes, donné des révélations, toutes ces choses, ils ne se sont pas mis en avant, ils ont mis Dieu en avant. Et Daniel, dans son souci de mettre Dieu en avant, il faisait bien les choses. Amen. Amen. Toi, mets Dieu en avant, Dieu aussi sera te mettre en avant. Amen. 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 Parfois, tu veux te mettre en avant trop fort, trop vite. Mets seulement Dieu en avant, il saura te mettre en avant. Amen. Amen. Mets-le en avant et il te mettra en avant. Donc, ces gens, quand ils ont commencé à chercher ce qu'ils devaient trouver chez Daniel, ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit ceci, que nous allons trouver aucune occasion, mais à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ces gens n'ont pas cherché beaucoup, ils ont dit cherchons même une seule dans la loi de son Dieu. Vous savez, ces gens savaient
que Daniel aimait son Dieu et il gardait ses commandements. C'était ses ennemis, mais il savait que Daniel aimait son Dieu et il gardait les commandements de son Dieu. Il y a des gens qui peuvent ne pas vous aimer, parce que ces gens ont décidé seulement d'être jaloux vis-à-vis de Daniel. Mais il savait que Daniel et son Dieu, c'était une affaire très sérieuse. Il y a même des gens qui peuvent ne pas vous aimer, mais qui eux-mêmes savent que celui-là et son Dieu, c'est sérieux. Ils peuvent vous calomnier. Ils peuvent dire, ah, quel pasteur, ah, quel frère, quelle sœur. Mais si vous êtes réellement ce que vous êtes, eux-mêmes dans leur cœur, ils auront ce témoignage-là. Amen. 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 Et pour cela, peu importe le découragement que les gens peuvent faire, peu importe ce que les gens peuvent dire, mais si vous savez que Dieu et vous, ça va, c'est ça le plus important. Amen. Le plus important, ce n'est pas ce que les gens pensent ou ce que les gens disent. Parce que les gens peuvent dire ce qu'ils ne pensent pas. Eux-mêmes, ils ont dit, on ne trouvera rien contre lui. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Bon, quelqu'un en qui vous n'avez trouvé aucune faute, pourquoi vous voulez lui faire du mal? Vraiment. Aucune faute, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Mais pour eux, il faut seulement lui faire du mal. Vous comprenez un peu? Bien aimé, si le Daniel est là même, qu'on a trouvé très parfait, là, par les hommes, on est arrivé à chercher à lui faire du mal. Maintenant, toi là même, qui n'es pas aussi parfait comme lui, tu penses qu'on ne va pas te chercher à te faire du mal? Si lui, on a voulu lui faire du mal, si même le parfait de parfait, le Seigneur Jésus, c'est lui qui est venu mourir pour nous, nous-mêmes lui avons fait du mal. T'as combien plus forte raison toi qui ne vas pas mourir pour l'autre là? Il peut te faire du mal parce que tu n'es même pas mort pour lui, tu ne vas même pas mourir pour lui. Vous comprenez? Donc, les choses viendront, pas nécessairement parce que vous avez mal fait, mais parce que vous êtes ce que vous êtes. Parce que vous êtes celui que vous êtes ou celle que vous êtes. Les problèmes viendront, pas parce que tu as péché nécessairement. Ou pas parce que tu as péché. Mais les problèmes viendront, les attaques viendront parce que tu représentes quelque chose. Parce que tu représentes quelqu'un. Parce que tu as Jésus. Amen. Amen. Les problèmes viendront. Les attaques viendront. Et ces gens, pour rien, ils ont haï Daniel. Donc parfois, ne cherche pas toujours à savoir, ah, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ou que cette personne n'est même pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour que des personnes pareilles fassent toujours des congossas sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour qu'on ne veuille pas que je sois à cette place que Dieu m'a donnée. Tout ce que tu as fait, c'est que tu es celui qui a été choisi par Dieu. Amen. Amen. Parce que Daniel était le choix de Dieu, ces gens-là n'étaient pas contents. Mais comment un étranger va venir ici et régner sur nous? Pourquoi? Mettons-nous ensemble. Alors, ils ont dit, allons chercher dans la loi de son Dieu. Pour eux, c'était clair. Chercher dans la loi de son Dieu. Chercher à voir si dans la loi de son Dieu, il y a des choses qu'ils peuvent faire, qu'ils soient séparés de la loi du pays. Vous comprenez? Parce que pour eux, on devait trouver quelque chose afin qu'on dise que dans sa manière de gérer, il a mal fait. Il a violé la constitution quelque part. C'est ce qu'on cherchait. Là où il allait violer la constitution. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont dit, allons trouver dans la loi de son Dieu. Même dans la loi de son Dieu, là, ils sont allés. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ne l'ont pas trouvé. Alors, ils ont dit, on doit créer. On a modifié la constitution. Les choses ont commencé pour longtemps. Depuis,
Ils sont allés voir les rois. Et nous le disons au verset 6. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Dans une autre version, on dit à grand bruit. Donc ils sont allés en groupe auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Ah, c'est flatteur. Roi Oumela. Le Oumela aussi a commencé depuis. Vous croyez que c'est vous qui avez créé ça? Les gens ont commencé ça depuis. Ils sont allés dire roi Oumela. L'autre là, je ne dis pas. Ils ont dit ce que le pasteur Béni a dit. Donc, ils ont dit, tous les chefs du royaume, quand ils disent tous les chefs, nous avons vu qu'il y avait trois chefs ou trois présidents. Mais eux disent tous les chefs. Donc, ils incluent aussi Daniel dedans, dans leur tout là. Les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Comme ils n'ont pas trouvé dans la constitution, dans la loi, comment lui faire du mal, ils ont dit, nous devons créer une loi. Cette loi qui devra faire que Daniel choisisse entre son Dieu et le roi, entre son Dieu et le pays. Ils ont créé une loi. Bien-aimés, ceux qui se nourrissent des mauvaises pensées peuvent toujours créer des choses pour nuire. Les gens qui se nourrissent du mal savent toujours trouver des mauvaises choses pour nuire. Parfois, vous ne penserez pas que telle ou telle autre chose pourra venir. Daniel, en tant qu'homme, n'avait pas vu sa vie, parce qu'il était là. Ce sont des choses qui sont passées à l'époque de Nebuchadnezzar et tout ça. Et le roi Darius a eu à être bon avec lui, donc pour lui les choses étaient bonnes. Mais ces gens sont allés trouver des solutions pour chercher à lui créer des problèmes. Ceux qui se nourrissent des mauvaises pensées savent toujours trouver les meilleures idées de leurs bonnes mauvaises pensées. Et ceux qui se nourrissent des bonnes pensées trouveront aussi des meilleures idées de leurs bonnes pensées. Donc ne te nourris pas des mauvaises pensées. Ces gens se nourrissaient des mauvaises pensées et les diables les aident. Quand tu commences à mettre des mauvaises pensées dans ta tête, les diables viennent t'aider aussi à développer des mauvaises pensées. Le diable vient t'aider aussi à devenir stratège dans les mauvaises pensées. Ces gens ont pensé, parce qu'ils ont pensé, le diable les a aidés dans leurs pensées. Et les ont créés, ils sont allés demander au roi de modifier la constitution. Par méchanceté. Et ils ont dit au roi que nous tous nous sommes mis d'accord. Donc ils ont d'abord commencé par un mensonge. Ils ont créé un mensonge. Après leur mensonge, ils sont allés faire croire au roi que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était pour son bien. Il dit que personne, pendant 30 jours, ne puisse adorer quelqu'un d'autre que toi. Donc, leur conseil, ce n'était pas pour les rois, mais c'était pour la méchanceté. Amen. Amen. Donc, bien aimé, il ne faut pas faire attention aux conseils. Il y a des gens qui vous conseillent, vous croyez qu'ils vous aiment, mais en réalité, ils cherchent leurs intérêts dans le conseil-là. Ces gens, dans ce conseil-là,
Tout ce qu'ils cherchaient, c'était leurs intérêts. Ils ne cherchaient rien de bon pour le roi. Alors faites attention aux gens qui vont vous dire, oh non, vraiment, toi, si tu fais ça à tel, si tu fais ceci à tel, si tu fais ça, vraiment, tel ne t'aime pas. Fais comme ça, et tu vas l'humilier. Et pourtant, il a son calcul à lui. Oui, elle a son calcul, n'est-ce pas? Donc, quand on vient te donner des conseils, là, il faut faire attention. Comme on dit là-bas au Cameroun, le conseiller n'est pas le payeur. Vraiment. Il va te donner un conseil. Mais ce que ça va te payer là. C'est pas le. Donc faites attention. Ces gens sont venus dire au roi de changer la constitution. Et le roi a même dit que maintenant au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses. Il lui dit, écris ça. Il dit, ne parle pas seulement. Je dois l'écrire aussi, commence depuis là. Il dit, écris afin qu'il soit irrévocable. Donc, et avant Angela dit une chose là, moi je ne dis pas. Aujourd'hui je ne dis pas ce que vous dites là. Vous envoyez des choses fortes. Donc ces gens ont dit au roi que ce que tu as dit soit écrit. Et les Mèdes et les Perses, en matière de la loi des choses qui étaient, quand on dit que c'est écrit, c'est écrit. On ne doit pas enlever. Et il le savait. Ils ont dit, ne dis pas, mais écris. Et le roi aussi a écrit ce décret et la défense. Vous voyez un peu quelqu'un qui ne pensait pas, qui ne s'attendait pas qu'on vienne le louer ou l'adorer. Mais les gens viennent lui dire, et lui disent que on va commencer, on va t'adorer pendant 30 jours. Il accepte aussi. Si on t'adore pendant 30 jours, et après 30 jours, on va faire quoi? Vous comprenez un peu? Où on fait la prolongation, où on fait l'abandon, on ne sait pas. Mais quelqu'un qui ne pensait pas ça, les gens sont venus lui amener ces genres d'idées. Je répète encore, faites attention à des gens qui vous amènent des idées. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui sont divisés. Tout simplement parce que certaines personnes leur avaient dit des choses. Et des choses parfois non fondées. Vous comprenez? Et ce qui est parfois bizarre. Bon, je parle de non fondés en français. Amen. Oui, parce qu'il y a un gars là, la blague va fonder. Vous comprenez? Merci. Je parle de fonder en français. Je ne parle pas des choses bafondées. Donc, Aningala bafondé. Quand on dit bafondé, c'est faux. Mais si je parle de non fondé. Okay. Amen. Amen. Donc, pour des choses non fondées, on va fonder les Aningala. Les gens se dispersent. Les gens se divisent parfois. Et vous allez voir même que c'est lui qui a fait cette histoire-là. Avec les deux camps, il est bien. Oui, oui. Mais les deux camps là, se battent. Jusqu'à. Parfois, il veut seulement que Jésus même vienne pour régler le problème au Bafondaki. Vous comprenez un peu. Donc, ce roi a accepté des propositions croyant que c'était pour son bien. Et pourtant, ce n'était pas pour son bien. Ils lui ont dit, voilà. En fait, on peut dire qu'ils ont piégé le roi. Ils lui ont dit, si, c'était un piège. Et le roi est tombé dans le piège. Le verset 9 nous dit que
Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret de la défense, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. On dit que Daniel, qui n'était pas parmi ces gens-là, mais dont on a dit qu'il était d'accord, parce qu'on a dit tous les chefs. Donc, acceptez aussi parfois qu'on va dire des choses sur vous, même quand vous ne les avez pas faites. On va dire que vous avez donné votre accord. Et pourtant, vous n'avez pas donné d'accord. On a dit que tous les chefs. Alors, on dit que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux. Quand Daniel a appris cette chose, la première chose à faire, c'était qu'il s'est retourné vers Dieu. Amen. Amen. Mais la première des choses, lorsque des nouvelles graves nous arrivent, c'est de nous tourner vers Dieu. Parce que parfois, on veut regarder combien grand est ce problème. Mais, comme on a déjà eu à le dire, c'est lui qui vit dans l'esprit d'adoration. Il sait voir Dieu au-dessus de toutes choses. Il ne sait pas donner la grandeur au problème, mais il redonne la grandeur à Dieu. Quand la situation est arrivée, Daniel s'est tourné vers Dieu. Parler au Seigneur de sa situation. Amen. Parce que vous savez, quand vous commencez par parler au Seigneur de votre situation, ou quand vous lui parlez de votre situation, cela vous aide à commencer à voir ces situations-là comme Dieu les voit aussi. Amen. Amen. Quand vous causez avec Dieu de vos problèmes, ça vous aide à comprendre ce que, quelle est la pensée de Dieu sur ces problèmes-là. Mais quand vous ne lui parlez pas, ce sont les pensées des autres sur la situation ou sur ces situations-là qui vont dominer sur vous. Mais Daniel a décidé de parler à Dieu d'abord. Parce qu'il savait que celui qui avait le dernier mot, c'était Dieu. Celui qui connaissait tout, c'était Dieu. Et pour lui, quand il va chez Dieu, c'est quelqu'un qui va vers celui de qui tout lui vient. Parce que la vie de Daniel, c'était Dieu. L'adoration, c'était à Dieu. Et quand on lui dit que tu ne vas plus adorer Dieu, mais que tu vas adorer un homme, ce n'est que vers Dieu qu'il est parti. Pour dire, mais voilà, ma vie est finie. Il n'y a que toi. Daniel n'est pas allé ailleurs. Il s'est retourné vers Dieu. Et quand il s'est retourné vers Dieu, elle lui dit que Il ne s'est pas seulement retourné vers Dieu, mais sa fenêtre était ouverte dans la direction de Jérusalem. Amen. Amen. C'était quelqu'un. En même temps, il savait se donner à Dieu. Il savait d'où est-ce qu'il venait. Amen. Amen. Il savait d'où est-ce qu'il venait. Et quand Salomon a bâti le temple, il avait dit à Dieu, quand ils ont prié, ils ont dit, ton peuple, quand il va prier, où qu'il soit, quand il regardera vers ses lieux, du haut des cieux, toi, tu vas l'écouter. Ça, c'est dans 1 roi, au chapitre 8, verset 35, vous descendez 44, tout ça, vous verrez ça. Donc, il a su regarder vers là où ils avaient établi la présence de Dieu quand ils ont bâti les temples. Et il a pensé aux paroles qu'ils avaient dites. Et quand il priait, il regardait toujours vers là. C'est-à-dire que pendant 70 ans, Daniel n'avait pas oublié.
Et il y a une chose encore ici. C'est Daniel qui était, après le roi Assur, tout Babylone. La Bible nous dit qu'il priait trois fois le jour. Donc Daniel avait le temps de prier. Ça, c'est un défi pour nous. Amen. Amen. Daniel, malgré les occupations qu'il avait, il avait le temps de prier trois fois par jour. Quelqu'un a fait un. Il avait le temps de prier. En fait, pour lui, cette intimité avec Dieu était plus que tout. Amen. Il avait développé son intimité avec Dieu, sa marche avec Dieu, qu'il savait trouver du temps pour Dieu. Il savait trouver du temps pour parler à Dieu. On dit que trois fois par jour, il priait. Et quand le décret est parti, il n'a pas changé ses habitudes. Amen. Amen. Il n'a pas changé ses habitudes. Il est allé parler à Dieu. Comme on a dit, quand tu parles à Dieu, c'est la tête à commencer à voir les choses comme Dieu veut que tu les vois. Amen. Amen. Tu vas comprendre que quand les problèmes arrivent, Dieu n'est pas surpris. Quand la situation arrive, quand tu vas parler à Dieu, pendant que tu parles à Dieu, tu comprends que Dieu n'est pas étonné par cette situation. Ce n'est pas une situation qui étonne Dieu. Quand tu parles à Dieu, en ce moment-là, tu comprends que avant même que le problème arrive, Dieu avait déjà la solution. Donc, quand on s'approche de Dieu, on voit comment Dieu voit les choses. En même temps, quand tu t'approches de Dieu, cela t'aide à comprendre que cette situation, en fait, c'est beaucoup plus pour manifester la gloire de Dieu. C'est une situation qui vient pour te rendre fort ou forte. Et pour cela, quand ces choses arrivent, quand les problèmes arrivent, tournons-nous vers Dieu. En nous tournant vers Dieu, nous ne chercherons pas les solutions des hommes. Nous ne nous laisserons pas influencer par les hommes, mais nous nous laisserons influencer par Dieu. Et Daniel s'est mis à genoux, renversé, et il s'est mis à prier. Ces gens ont dit à Dieu, au roi, 30 jours. Mais pour eux, même un jour seulement suffisait. Parce que s'ils avaient dit, ils avaient dit au roi un seul jour, même un seul jour là, ils allaient toujours l'avoir. Vous comprenez? Ils ont donné 30 jours. Est-ce que c'est le premier jour qu'ils sont allés voir? Bon, ils sont quand même allés voir. Un jour seulement, ce qui est important, suffisait. Pour qu'ils puissent coincer Daniel. Parce qu'ils savaient que Daniel ne laisse pas Dieu à côté. Amen. Bien-aimé, ne vis pas une vie de laisser Dieu à côté. Ne vis pas une vie où, parce que c'est dimanche, tu fais bien. Quand c'est lundi, tu oublies. Parce que c'est dimanche, tu as la chance. Vous comprenez un peu? Parce que nous sommes à l'église, je ne vais pas te faire ça. Mais quand c'est hors de l'église, tu vas voir, là maintenant, tu mets l'autre masque là. Quand ce n'est pas le jour de l'église, tu changes. Mais ce n'est pas ça. Pour Daniel, il n'y avait pas de moment pour laisser Dieu à côté. Bien-aimé, n'aie pas de moment où tu vas laisser Dieu à côté. Sois avec Dieu à tout moment. Demeure dans sa présence à tout moment. Que les situations qui t'arrivent, soient grandes ou petites, restent à côté de Dieu. Bon, on va peut-être s'arrêter un peu ici. Pour dire que ces hommes-là, vous avez dit ça, verset 11, dit que alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Pendant qu'il priait,
ces hommes sont entrés. Sans frapper, ils sont entrés chez lui. Ils se sont donné le pouvoir d'entrer chez lui sans frapper. Nous continuerons la suite la fois prochaine. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais Dieu va avec toi quelque part. Amen. Il est celui qui t'a choisi. Il est celui qui t'aime. Il est celui qui ne veut pas que tu te sépares de sa parole. Amen. Il est celui, quand il t'a placé là où il t'a placé, il le sait pourquoi. Mais comprends que parce que tu aimes Dieu, on ne va pas t'aimer. Amen. Amen. Parce que tu fais des choses pour Dieu, on ne sera pas content. Comprends que ce que tu as, ce que tu es, là où tu es, il y a des gens qui ne sont pas contents. Ce n'est pas nécessairement parce que tu leur as fait du mal, mais parce qu'ils ne veulent pas que Dieu prenne gloire dans ta vie. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que tu as fait du mal aux gens, ou on t'a fait quoi ou quoi ou quoi, c'est simplement parce que tu as Jésus. Ceux qui n'ont pas Jésus seront contre toi. Amen. Amen. Mais quel que soit leur nombre, quand tu as Dieu, tu es du bon côté. Amen. Quel que soit leur mensonge, quand tu as Dieu, tu es du bon côté. Amen. Amen. Commande sur toi, mais qu'on ne trouve pas ces mensonges sur toi. Amen. Amen. Et fais attention à ton oreille ou à tes oreilles. Ne les donne pas à n'importe qui. Amen. Amen. Je conseille les flatteries, fais attention. Alors là où tu es, tu vas t'élever toi-même pour commencer à parler à ton Dieu. Commence à dire merci à Dieu d'abord pour son amour. Commence à dire à Dieu merci pour sa bonté. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui merci pour là où il t'a mis. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a donné. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a réalisé pour toi. Commence à dire merci à Dieu pendant que Pasteur Béni vient pour nous conduire dans la suite de ces moments. Toi, commence d'abord à dire merci à Dieu pour là où il t'a mis, pour ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a réalisé dans ta vie. Élève ta voix, commence à parler à toi.